soirée commence avec un combat poids welter entre Express et Assassin. Et voici les deux. Express, Assassin. Allez, c'est parti. Un combat en trois rounds. Crochet à la tête, parfaitement placé. Superbe low kick. Bon jab de Express. C'est parfaitement bloqué. Voilà un combat qui débute plutôt calmement. En effet, mais c'est peut-être simplement parce que personne ne veut se prendre un mauvais coup d'entrée de jeu. Il rate sa cible. Puissant low kick de Assassin. Et encore un low kick. Oh, il est dépassé. Superbe coup de pied. Il lui envoie un crochet en pleine tête. Un redoutable gauche. Très belle emmenée au sol. Et boum, magnifique. On revient debout. Ah, il se sert de la gravité pour frapper plus fort. Des coups de coude violents de Assassin. Les coups pleuvent. Il le touche. Cette punition va laisser des marques. Un gauche qui passe. C'est terminé. Le ground and pound est une des façons les plus spectaculaires de finir un combat, laissant généralement l'adversaire dans un sale état. Revoyons comment le combat a pris fin. Bruce Buffer qui va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean is going to stop this contest at 3 minutes, 1 second of the very first round. Playing the winner by knockout, Assassin! Assassin prend la victoire avec un superbe KO.